Et salut à tous, ici Tars, bienvenue dans cette vidéo sur le meilleur deck de Mortemine, le meilleur deck du mini-set. Il y a un archétype qui domine vraiment tous les autres actuellement dans le jeu après quelques jours de sortie, c'est le druide aggro. Alors, je vais vous montrer... Voilà. Donc là, vous pouvez voir, alors attendez, je suis par-dessus... Voilà, donc ça c'est de diamant à légende, le win rate selon les archétypes, et on voit qu'il y a vraiment le druide aggro qui se dégage avec 59,3%, et ensuite il y a un peu pas mal de choix en tier 2, hein, du paladin, du démoniste, du guerrier, du chasseur face, du voleur, enfin, vraiment il y a de tout, mais c'est vraiment le druide aggro qui est le meilleur. Alors c'est de diamant à légende, donc toutes les games qui sont diamant et légende, c'est pour avoir beaucoup de parties. Si on se concentre vraiment sur le top 1000, druide aggro reste fort, mais il y a voleur garrot notamment, hein, qui est un peu en embuscade, parce que quand il est très bien joué, le deck est excellent. Bref, on va regarder donc la version la plus forte en ladder, celle qui a le plus de victoires. Et c'est la version, il me semble, de Otsuna, avec lequel il est passé premier légende. Il y a quelques jours, c'est une version qui joue pas mal de nouvelles cartes, donc j'aime bien, notamment les semis, donc qui sont pas vraiment une nouvelle carte, mais qu'on va aller piocher avec Charpentière de Fortune, qui pioche un sort avec Choix des Armes et le divise. C'est notre unique sort Choix des Armes, donc on peut soit invoquer une de deux, soit avoir plus un d'attaque. Il y a Druide des Récifs, qui est une nouvelle carte très forte dans le deck. Et puis, voilà, la base du deck, c'est quand même Garde de Guerre Tranchecrin, qu'on va absolument vouloir au mulligan. On va le chercher vraiment en grande priorité, qu'on ait la pièce ou pas. Hein. C'est vraiment la carte clé. Et puis, voilà. Bon, bah, c'est un deck plutôt simple à jouer. Les parties sont assez rapides. Donc, c'est parfait pour passer les jambes rapidement. Et puis après... ou alors peut-être pour la première fois atteindre le rang légende pour certains d'entre vous. C'est vraiment un deck qui fonctionne très bien. Attention quand même, il faut quand même mettre un petit bémol. Peut-être que d'ici quelques jours, les gens vont commencer à teker contre ce deck parce que là, il domine vraiment le ladder. Pas beaucoup de gens encore le jouent. Il commence à apparaître assez fréquemment, mais il y a encore beaucoup de guerriers pirates. On va voir. Alors, donc on a dit mulligan, on jette tout. La seule exception, le seul cas de figure où je vais garder autre chose que Garde des Guerres Cranchecrin, c'est si jamais j'ai un T1 quand j'ai pas la pièce. Voilà, genre, peut-être que ça, pour jouer une 1-3 où le paysan a joué direct, ça peut être sympa, mais c'est quand même pas ce qu'on recherche en priorité. Je suis contre un guerrier, probablement guerrier pirate quête, qui est un deck plutôt solide, mais contre lequel on peut avoir l'avantage si on pioche cette carte-là. Bon, on va le jouer tel quel. Ça va me permettre... Alors, souvent, on s'en sert pour jouer gratuitement une carte comme l'ennui au tronc, un taunt à 2. Mais ça peut permettre aussi de jouer très rapidement un taunt à 5 de, mana. C'est pour ça qu'on en joue 3. 2 chouchous et grise branche. Et on joue les panthères aussi. Hein, c'est des cartes très très solides. Il faudrait qu'il joue un pirate plus le sort... Ah ouais, non, il va pas s'en sortir là. Hein. Wow, on est bien. Grise branche qui tombe. Et on va pouvoir enchaîner avec double panthère. Oh là 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 là. C'est une vidéo qui commence bien. Bon, j'aime bien en début d'extension, en début de méta, quand il y a des cartes qui arrivent, montrer dans les premiers jours un deck opti. Comme ça, ceux qui veulent tryhard, ils peuvent. Et puis ensuite, on rejouera. Voilà, je représenterai des decks un petit peu plus fun, comme j'ai l'habitude. Mais faut penser à tout le monde. D'ailleurs, dans les decks fun, j'ai joué ce matin un druide... Ah mince. Oula, j'ai mal compté. Un druide alignement. Qui était vraiment cool. Ah oui, il s'est pas soigné. D'accord, oui. Oui, non, ok. Je comprends ce qui s'est passé. Un druide alignement avec le pirate 6-5, là, ça peut être sympa. Pirate 6-5, d'ailleurs, qui peut être joué dans cette liste. Il y a quelques listes, hein, la liste n'est pas encore définitive, là, c'est celle qui fonctionne le mieux actuellement. Mais peut-être que Charpentière et Semis, c'est pas optimal. À la place, on peut peut-être jouer les écuyères, les écureuils,
Peut-être aussi jouer le Pirate 6-5, la nouvelle légendaire qui peut être intéressant. Il y a encore des possibilités. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire, voilà, ça c'est le deck à jouer à tout prix. Clairement, il peut y avoir d'autres options. D'ailleurs, on pioche un semi. Comment je procède là? J'ai le râle d'agonie de Grisbranche là-dedans. Est-ce que je referai pas un autre... Ah, je vais faire ça et semi. Hein. Ouais, je pense que je fais ça. Hein. Ça fait tellement de dégâts. Ça me plaît beaucoup. Il y avait une option de se protéger un peu plus peut-être avec l'Ogre Marchand. Mais comme j'ai Grisbranche qui apparaît quand lui meurt, j'aime bien mettre un max de dégâts et là il est foutu. Ah ouais, non, mais là tu feras rien. Hein. Même si tu snipes les deux là, ça suffira pas. Tu es foutu. Oh, le balai. Il va pouvoir tuer ça et ça, mais il va rester Grisbranche, donc c'est perdu. Non, non, tu peux pas gérer Grisbranche. Hein. Non, non, non. Il est peut-être moyen. Non, je crois pas. Hein. Allez, ça gagne. Je mets un petit peu de temps à passer légende. J'ai encore fait du duel ce matin, j'ai fait 12 victoires avec le DH qui est donc dans ma liste avec les decks de départ de duel. DH, je pense, 5e meilleur deck en duel, 4-5e. Pour ceux qui jouent un peu, hein, je sais qu'il y a la quête qui a pop pour tous les gens qui jouent depuis le mini-set. Guerrier pirate toujours au top, derrière prêtre, ombre très fort en duels. Et puis le nouveau Diablo qui est bien, le nouveau Diablo, le DH. Paladin est correct aussi. Il y a pas mal de possibilités, ça me plaît vraiment hein, de rejouer à duel. Ah, ils ont changé Diablo aussi. Je profite de cette petite vidéo pour vous le dire. Diablo a été un petit peu amélioré sur Battleground. Maintenant, les statistiques, les stats du démon invoqué, du Diablo, sont un peu plus forts. Genre, il est 5-5 au lieu d'être 3-3, donc ça renforce vraiment le héros. Voilà, je pense que c'était... C'est pas le sujet de la vidéo, mais ça peut intéresser des gens comme c'est un peu glissé, tranquille... sur Twitter, par les développeurs ou sur les forums, mais sans patch notes, c'est bien de le dire. Alors, encore un guerrier pirate. On va faire ça. Je vais booster celui qui a bouclier divin, ouais. Alors, cette fois-ci, c'est un peu compliqué, j'ai pas le tranche-crin, mais je vais poser Oracle des Lunes et espérer qu'elle survive. Je peux aussi partir sur bébé Marsule et compostage pour piocher beaucoup. Oh non, j'aime bien jouer ça. Hein. C'est pas facile à gérer guerrier pirate. Bon, ça peut jouer des armes. Hein. Il y a des solutions, mais c'est pas non plus fréquent. Évidemment, pirate plus le sorin. Il y a moyen de le gérer. Mais je me dis, il n'y a pas trop moyen de gérer à la fois l'oracle des lunes et le reste du board. Ok, il ne la gère pas. Et du coup, là, je vais pouvoir faire soit ce que je pioche, soit bébé Marsule et compostage, qui serait déjà très bien. Ah bah, bagarreur, compostage, parfait. Et je pense que je vais tuer ça pour éviter qu'il soit boosté. Hop. Je préfère pas prendre de risques. Les pirates peuvent se booster les uns les autres. Si jamais il a le pirate, le sort à 1 peut lui permettre de faire plus de dégâts. Donc, autant le gérer. Là, j'ai Grisbranche qui serait excellent, mais je peux aussi simplement jouer ce genre de carte. Alors, lui, il est pas dupliqué, hein, je crois. Parce que... Ah, je sais pas s'il est considéré comme une carte jouée ou une carte invoquée. Ça doit être une carte jouée, hein. Il se transforme. Mais ça, c'est insane, regardez. Je peux jouer ça, du coup, il est dédoublé par l'oracle. Et du coup, je peux jouer Grisbranche, qui est réduite deux fois de 2 et qui, du coup, est également dupliqué par l'oracle. C'est si fort. Oh là 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 là. C'est trop fort. Ah, ça l'aurait dupliqué aussi. Hein. Parfait. J'avais un petit doute sur le fait que ce soit dupliqué ou non. Je vous explique, c'est parce que...
Oracle des lunes ne démultiplie que les cartes qui ont été jouées, pas les cartes invoquées. Et comme je l'invoque, mais elle est transformée, c'est techniquement pas directement... Enfin, comme je la joue, mais qu'elle est transformée, c'est pas directement la carte que je joue qui est invoquée. J'avais un petit doute, mais si, ça fonctionne bel et bien. Oh bah là, t'as beau avoir une faux de la faucheuse, tu peux rien faire, hein. J'ai reboisement derrière, c'est fini. Allez, hop, suivant. Allez, allez. La petite musique de Hades en fond, là, ça motive. Très bon jeu Hades, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais même, il n'y a pas de sort qui te permette de t'en sortir. Mais... Ok, tu vas jouer ton sort là-dessus. Non, mais ça va même pas aller. Ah non. Allez hop, on va faire ça, ça ira plus vite. Let's go. 2-0. Alors, je fais des sorties plutôt bonnes. Sachez que parfois, avec ce deck, juste vous avez une mauvaise sortie et vous perdez, hein, ça arrive. C'est un deck qui se base beaucoup sur votre main de départ et ce qui se passe dans les premiers tours. C'est pas un deck très contrôle, c'est vraiment tempo. Donc, faut pas vous démoraliser si vous perdez une ou deux parties parce que vous piochez pas les bonnes cartes. Faut juste vous dire, voilà, pour deux parties perdues parce que vous avez pas les bonnes cartes, bah, techniquement, vous en gagnez 4 ou 5 parce que ça sort bien. Faut pas se laisser avoir par des petites mésaventures. Allez, on enchaîne. J'aimerais bien rencontrer autre chose que guerrier quand même. Histoire de varier les plaisirs. Et c'est du druide. Soit c'est un mirror. Probablement un mirror. Hein. Comme j'ai le garde-guerre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup essayer d'aller chercher un taunt. Mais j'aime aussi beaucoup jouer un truc au tour 1. Ok, je vais quand même jouer, garder le paysan pour avoir quelque chose à jouer au tour 1. C'est pas forcément facile pour lui de le gérer. Il faut qu'il ait l'aug marchand pour vraiment gérer ça correctement. S'il doit faire pièce pouvoir héroïque, c'est déjà une petite victoire pour moi. Ça lui fait lâcher la pièce, je suis très content. Aïe, 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 il l'a. Et il a un taunt avec. Ouh, c'est compliqué. Oh, et moi, là, j'ai pas de taunt. C'est dur. C'est très dur. Je fais quoi? Je trade? Je fais un pouvoir héroïque? Je peux pas juste jouer ça dans le vent. Hein. Si je fais ça, il va double trade. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 j'ai pas de taunt à jouer avec. Ça, c'est un peu le risque que j'ai pris en gardant le paysan. Après, cela dit, j'ai pioché deux cartes avec le paysan. Donc, au fond, j'ai pas pris de risque. Hein. C'est juste sur les X cartes que j'ai piochées, bah, j'ai pas eu de taunt. J'aurais pioché autant de cartes si j'avais mulligan le paysan. Ah, et lui, il les enchaîne, les taunts. Je peux poser ça, mais il va juste te tuer. Bon, j'ai pas le choix, faut jouer des choses. Peut-être je peux espérer un très gros tour avec Oracle des Lunes, plus Garde de Guerre sur le même tour, plus Grisbranche. C'est pas pour tout de suite, hein. C'est au tour 6 qu'on peut faire ça. Oh, il a ça aussi, il a un autre taunt. Oh, c'est fini. Là, c'est la fin. Ah, il y a une autre mule encore après. La panthère, est-ce qu'elle peut m'aider un petit peu? Mais c'est quand même très bof bof tout ça. Je peux taper là, taper là. Il a encore la deuxième mule qui va arriver en x2. Mais si tiens jusqu'au tour 6, j'ai un truc très très solide. J'ai pas l'impression que je tiens.
citron peut peut-être me permettre de survivre. J'ai pas l'impression, hein. Faut que je fasse ça. Il a l'étal, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh oui, il a l'étal. Ouais, il me fallait un tour de plus pour faire Oracle des Lunes, double garde de guerre tranche-crin, pardon, et grise branche. Et je suis même pas sûr que ça tenait face à son board. Il a fait une meilleure sortie que moi. Il a joué le tranche-crin avant. Je pense que même avec un taunt, ça serait pas passé. Il en jouait trop d'un coup. Ah, un petit chaman. Là, j'ai des cartes ok. Mais vraiment, hein, si... surtout avec la pièce, on va à tout prix chercher la 2-3. Le tranche-crin. On trouvera toujours un truc sympa à jouer. Pas trop se faire de soucis. Je pense que je tente le bagarreur. Ça m'étonnerait qu'il arrive à jouer deux élémentaires s'il arrive GG à lui. C'est possible, hein. Il en joue qu'un. Ok, on va jouer l'ennui au tronc et tuer ça. Puisque lui, il a que 1 PV, donc il va aller se sacrifier sur l'ennui au tronc. Il tape pas. Peu importe en réalité. 3-1 rué. J'hésite à faire le compostage. Ouais, j'ai rien à jouer au tour d'après, donc je vais le faire. On tue ça, on tue ça. Il a repris un petit peu l'avantage. Je peux retenter des dingueries, mais... Non, je pense qu'il faut juste que je joue des cartes et tant pis. Donc là, ça va pas être dupliqué parce que c'est une carte invoquée, pas une carte jouée. Tour d'après, je vais faire tranche crin plus grise branche. Et chaman évolve, ça c'est intéressant. Bon ce qu'il a eu, même très bon. S'il a 2-3 survie, non c'est impossible qu'elle survive. Rôdeur d'en bas. Ah, alors ça fait très mal. C'est la fin. Bah, je dois jouer ça, mais il va pouvoir taper là-dedans, réévoluer tout. C'est perdu. C'est dommage, cette vidéo avait bien commencé avec de belles victoires. Ah, la 3-2. Ah bah non, il va taper. Oh bah, figurine en plus. Oh là là, il se fait plaisir. Regardez-moi cette évolve. Je pense qu'on peut partir. Bon bah GG à mon adversaire, on va s'arrêter là. Bon j'ai pris cher à la fin. Mais voilà, hein, faut se dire les parties vont vite. On peut bien les enchaîner. Et voilà, il y aura des jours comme ça. Le mec il m'a fait une sortie de dingue là avec tous ses élémentaires 1-3 et il a enchaîné. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et ciao tout le monde.